La première, nous avons magazine financier investi, une émission que vous pour nous chaque semaine à compter de 4 heures. Nous avons la possibilité pour nous voir sur Profin TV pendant toute semaine. Non? Émission ça, comme nous connaissons, parler de finances, d'investissement. Et nous sortis d'un gros événement qui était fait du côté de Miami. C'est à l'occasion du 30e anniversaire de Croissance. Nous avons décidé de sortir pour nous aller et parler d'investissement qui a fait en d'un pays et potentialité qui est. Nous avons arrivé sur le détail sur ça. Mais je dis à une chose qui est plus intéressée, nous, c'est comment pays ça, après le choc ça a tout pendant le mois de mars, là, comment elle peut faire ça avec les reprises économiques. Là. Non pas ouais, que son dossier qui est trop intéressé les politiciens, yo, parce que nous avons jusqu'à présent traîné un pied, c'est seulement semaine ça a finalement mis le conseil présidentiel en place. Et zone métropolitaine de Port-au-Prince, c'est un gros choc, que nous sommes capables de comparer. Sans problème avec un tremblement de terre. Tremblement de terre, c'est quelques secondes après. Il frappe, après, il y a un pile de dégâts. Mais ça, c'est à petit feu, nous décider de tuer tête. Nous. Et puis, je ne sais pas qu'on est sans embargo, 91-94, vers ce pays. Impact embargo a été plus lourd sur le plan économique et financier que tremblement de terre. Et nous avons même parlé 2021 qui était fait dans le sud là. On a parlé particulièrement 2010 parce qu'il a frappé que l'économie. Hein. Donc, je vous dis, on a un gros frappe. On frappe sérieux et que nous supposons qu'on est comme on va sortir dans ça. Ce n'est pas juste pour gagner conseil présidentiel ou bien coup cassation ou bien premier ministre. Ça capte nous en pire. Parce que je vous dis, ce n'est pas finance publique, dans le sens que nous parlons en pile de lui-même et que très souvent tout que le gouvernement utilise, à savoir, ça n'est pas capable de entrer et sortir qui gagne les dépenses et les recettes de l'État. Donc on parle de ça, chaque année les petits budgets, on nous dit mes amis, il ne faut pas concentrer sur le budget simplement. C'est même j'ai une entreprise, il y a trois documents pour comprendre ça très bien comment document ça va. D'ailleurs, le premier c'est le bilan, qui est actif, passif là. Deuxième, on parle income statement là, qui est équivalent au budget, qui est rentré, qui est sorti. Et troisième, c'est le cash flow. Le pays a son gros entreprise que lié. Une grosse entreprise. Pour qui ça que crise n'a pas subi là, tremblement de terre, là on prend choc ça, c'est parce que actif pays a affecté. Actif là sous fond compte en T, a promettre tout ça qu'on possédait. Ou qu'a font un bilan personnel, ou qu'a font un bilan entreprise, ou qu'a font un bilan pays tout. Tout tes pays a gagné. D'ailleurs, pas gagne monde qui gagne, c'est assez pour la République que lié. C'est assez, li bon fait utilisation de terre, mais c'est tel lié. Ensuite, toute route que le pays a gagné, toute infrastructure que l'État a gagné, tout ça est actif. Yo. Et il y a actif qui est liquide, si l'État a un roulement qui l'emmène, cash, et il y a actif qui est moins liquide et qui est solide. On prend par exemple Citadelle Laferrière, c'est un actif pays. On prend Pélig, c'est actif pays. Donc, il y a une valeur à lui-même. A pour dire mes poids et mes salles capables de faire. Puisque comprenne très bien, l'orgue citadelle là, supposé avoir fait citadelle là fonctionner. On ne peut pas dire, elle a fonctionné, elle a apporté l'argent. Donc nous, on voit qu'il y a un actif là, qu'on a utilisé et qu'on a géré bien, comment on peut permettre qu'on fasse recette. Donc chaque touriste qui passe dans le port de la Badia, et bien elle passe dans le port de la Badia, il paye, et bien il est entré l'argent là-dedans. Quand on connaît que pour la Badia, son société anonyme que lié, mix, il y a une partie de l'État qui porte terre et il y a un secteur privé lui-même qui a fait le travail. Donc, ça qui a passé aujourd'hui dans Port-au-Prince, côté que nous concentrons la plupart des richesses du pays, c'est quoi? Il parle d'autre bagarre, non? Il sait que l'on crase l'université, l'on crase l'hôpital, l'on crase bien public d'abord, actif public, yo. Mais lorsque la crise a fini, faut l'État à remettre l'argent là-dedans. Or, à compression fiscale qui est extrêmement faible, quand on va jouer une comme ça, parce qu'on a besoin de l'argent pour manger. Donc, on va avoir un arbitrage difficile pour faire. Entre bah, moun manger, ya. Et ça n'est pas capable de brûler. Investir dans la route, investir dans l'université crasée. Donc, comprendre très bien que son crise spéciale n'a vivre là
et qui impacte libre le gain. Là où il y a 5 millions de monde qui en situation d'insécurité alimentaire, après qu'on y a la faculté des sciences, école normale crasée. Donc ministre des finances, là pour le chita avec responsable institution ça. En tant que la baïkob pour grand goût, c'est moins scob qui gain pour ça. En tant que la mettez plus scob pour reconstruire sa crasée, c'est moins scob qui a prêté pour faire manger. Donc voilà là qui ça nous prend là. Donc c'est pas un choc simple, non? Comme si premier lock qu'on fait, ok, lock la fête, pays a pas fonctionné. Mais si on fait un lock, on pas craser bien, on pas craser bien public, c'est bloqué là où il y a. Li moins que lorsque on crase bien et qu'on y a quelqu'un pour remplacer bien ça. Et qui va mettre l'État dans une situation extrêmement difficile parce que dette l'État déjà extrêmement élevée. Alors, ce n'est pas le niveau de la dette qui soit exagéré, non? Bien sûr, par rapport à la croissance économique, dette va élever. Mais c'est le service de la dette. Service dette là, c'est qui s'allie? C'est 40 milliards de gouttes en d'un budget ça, 23-24 là. Ça qu'on analyse bah, ça pour nous bien comprendre. Premier poste budget l'État, je vous dis, c'est travaux publics. Deuxième poste là, c'est service de la dette. Qu'on y a d'accord poser question, mais ça dette là fait pour nous comme ça. Est-ce que la dette là nous t'es investi pour nous dégager dans le bilan nous hein? Parce qu'on a fait analyse ça. On garde cop dette là, ça le bail là. Actif bilan pays a. Parce qu'on regarde le pays Haïti SA. Donc si on pas renforcer actif nous après on a payé dette là parce que nous avons fait mauvaise dette parce que mon docteur n'a pas parlé comme invité tout à l'heure nous connaissons un bon cholestérol un mauvais cholestérol. Donc lorsqu'on mal utilise dette là qu'on dépense l'argent il pas renforcer actif ou donc la valeur nette parce que on prend actif là. On va retirer passif là-dedans. Passif, c'est comme qu'on prête pour faire investissement. Yo. C'est fonds propres là pour prendre toute partie ça. L'offre différence là. Si actif là supérieur à passif là, ou qu'on valeur nette que nous utilisons le langage très souvent bilanciel d'une personne ou d'une entreprise, que nous pas fait assez dans le pays d'Haïti. Le gouvernement publié budget, c'est supposé une partie dans le budget qui était pour nous montrer nous exactement ça qui a passé dans le bilan tout. Et si le gouvernement fait dette pour montrer comment la renforcer l'actif, pour qu'à l'avenir, en moyen et long terme, qui ça le rapporter pays. Donc ceci est très important. Et c'est ça que nous avons fait là. Nous mettons un embargo sous tête dans le pays d'Haïti aujourd'hui. Là. Et c'est un embargo ça que nous avons pour nous gérer, pour que l'on sorte là-dedans, côté nous prenons le cob là. Donc, supposez que vous finissez là, vous avez des présidents Biden qui ont 40 millions, l'autre, vous avez l'Angleterre qui a 7 millions de dollars, mes amis, qui ont ramassé dans mon pays pour être capable de sortir de la crise. Donc, ou presque dans la même situation que l'Ukraine, quelqu'un, l'Ukraine a reconstruit le pays là. Mais je vous dis à quoi on parle reconstruire pour là. À qui l'argent? L'argent public? À qui l'argent? L'argent privé? En d'avis, il n'y a pas rien comme ça. Parce que nous connaissons que. L'ensemble des dépôts du système bancaire haïtien, c'est 5 milliards de dollars américains. On ne peut pas le prendre pour le financer bien public. La pression fiscale d'Haïti est inférieure à 10%. Dans 320 milliards de gouttes de budget qu'on gagne, combien de potes sous table là? C'est 192 milliards. Et une bonne partie là-dedans, sans ne pas exagérer, près de 160 milliards à aller dans les dépenses courantes. Ce sont 30 coquittés pour les dépenses d'investissement. Donc, tout crasé que n'a crasé jodi a là les besoins d'investissement public sont en train d'augmenter et m'analyser parti public là mais jodi a paquet entreprises privées dans pays d'Haïti que nous prend Badel que nous prend en Bala ville que nous prend même Pétionville toute entreprise ça cap crasé là son gros problème et tout parce que on m'est assuré qu'au crise d'a fini entreprise pour dire ah pour me recommencer là, il faut l'État ta bon coup de main. Même d'où l'État a un problème déjà pour satisfaire bien public. Yo. Donc si l'État va le retirer dans le corps pour l'entrée, pour le bail, pour l'entreprise qui recommencer, c'est parce que l'État a aimé, non? Parce que un gars de Kounia a parti comme 7 mètres là, entrée avec sortie, côté l'État prend le corps pour faire payer à fonctionner. Budget à recette fiscale, là, nous montrons déjà. Recette fiscale là, c'est comme l'État prend la poche nous et la poche entreprise. Yo. Impôts sur revenu, taxes sur chiffre d'affaires. Yo. Donc, si l'entreprise est crasée, actif est crasé, je suis dans le public, là, qu'on y a descend chaque entreprise suivante dans le secteur privé. Nous avons des compagnies d'automobiles qui passent ratiboisées net, il y a des entreprises qui perdent tout actif. Yo. Donc, c'est client l'État, oui, c'est eux qui contribuent
pour que chiffre d'affaires l'État, ça oui les recettes l'État capable de bon service là. Oui. Donc nous prenons dans de grandes difficultés, dans de gros problèmes là, dans ça n'a vivre aujourd'hui en pays d'Haïti. C'est bon bah chouette donc là. Donc pendant que moi me concentre même sur les réseaux sociaux, on voit ces joueurs qui jouent, qu'est-ce qu'a président dans le conseil présidentiel, qu'est-ce qu'il parle le premier ministre. C'est des bagailles pour nous passer, pour nous capables de résoudre le problème et pour nous avancer. Oui. Mais le problème est encore beaucoup plus grave. Car tout autant que nous n'arrivons réellement à garder comment nous allons sortir dans le trou sur le plan économique, sur le plan financier. Et c'est dans ce sens que nous avons frappé pour les gens qui sont dans la diaspora, qui a voyé l'argent ici là, à travers les transferts de devises de la diaspora. Nous avons demandé ben un coup de main. Gardez comment vous êtes capable, non seulement vous êtes transféré là, mais comment vous êtes capable de bénéficier de l'argent. Nous avons chiffré plusieurs fois, mais il faut nous connaître. Budget pays à 320 milliards de dollars, il faut nous pour le bon 2,5 milliards de dollars américains. Les investissements directs étrangers aujourd'hui pas significatifs. C'est Digicel qui a commencé là, l'extension de taper sur le réseau là, même bon, garantie, si je dis ça, la frontière était là avant. Là, elle mettait cob parce qu'elle ne pouvait pas le tirer. Donc, ce secteur technologique qui a fait des investissements, qui entreprise, qui investit sur l'étranger pour le mettre cob là. Et là, on a des budgets nationaux là, attendez bien, 70 milliards de goudes, c'est ça que support international là, il y a un budget. Si dollar 134, 135 goudes, 70 milliards, donc nous, on a que pas un milliard de dollars américains, non? De assistance internationale. Et c'est ça qui vient par poids à ça que nous considérons comme élément fondamental, les investissements directs de la diaspora. Comme vous diaspora, regardez, l'argent le voyez aujourd'hui à la 4 milliards, ça le prend dans la consommation, le prend dans le logement. Mais mes amis, consommation qui ça? Manger? Eh bien, si nous faisons des entreprises qui ont manger, eh bien, l'argent diaspora a prêté là. Parce que son passoire qu'on gagne, si passoire coulé, et c'est ça qui passe à l'économie haïtienne aujourd'hui. L'argent entre les outils. Mais si je mette. Je ne passe pas dans la passoire, mais faut, c'est le bloc qui passe dans la passoire. Mais si je ne bon parti dans la diaspora, la meilleure gestion, quel que soit le secteur que lié, je bon 1,4 milliard, un bon parti c'est l'importation de produits alimentaires. Si je prends le pays et bien si je suis capable de mettre une politique logement, diaspora voulait bâtir, mais il faut le connaître dans quelles conditions. Donc, si le café investissement, qu'on y a un besoin, qu'on y a des entreprises de construction, pour ingénieurs commencer à mettre tête ensemble, pour faire une organisation, pour une gouvernance. C'est facile pour nous gérer la gouvernance publique, mais la gouvernance privée n'est pas plus bon, mes amis. Il faut suspendre des entreprises, la valise. Ce n'est pas frapper, ma frappe ingénieur. Non, mais quand pile ingénieur, c'est ça lié. Ingénieur comprend que. Le fait que les gens construisent ça là, c'est les pour gérer l'entreprise ça là. Mais lorsqu'on a un contrat de 50, 100 millions de gouttes pour faire une construction, soit en l'école ou en route, mais si c'est seulement l'entreprise, il y a un problème. Il faut une gestion beaucoup plus professionnelle. C'est ça le management qu'il faudra mettre en place. Et que l'entreprise de travaux publics fait. Donc sinon, il va l'obliger les films dominicains, nous pas contents, mais c'est une réalité. Il va l'obliger les films français, les films américains. C'est qu'il va venir construire l'aéroport, c'est qu'il va le construire pas. Parce que nous pas arrangé pour nous capables de gérer ça. Je vous dis, nous, jusqu'à présent, dans toute petite et même moyenne entreprise, mais il faut mettre des entreprises de taille intermédiaire. Nous avons un droit là, c'est au cas où nous avons là, moi gagné un l'école qui m'a construit. Après, même moi dans notre métier, après, je me dis, bon, c'est comme son entreprise construction que lui, et soit le gars dans le budget national, là, c'est ça qui m'a éclaté pour nous. Plus pas comme le dépenser dans le budget national, là, c'est qui ça? Place publique, l'école, dispensaire. Donc, ça a été supposé qu'il y ait des entreprises de construction beaucoup plus avancées dans le pays. C'est très important. Mais le fait que je gagne un contrat, c'est pas parce que je suis ingénieur, c'est pas faire toute bagarre dans l'entreprise, là. La gestion de l'entreprise est tout aussi importante. Donc voilà et comment pour nous garder ça qui va passer là et on met un graphique pour nous voir et tof là tableau des opérations financières de l'État m'analyser pour nous déjà mais c'est pour nous comprendre que l'exercice fiscal qui a commencé 1er octobre là, le 31 mars nous parcourir un semestre
c'est 12 mois qu'il y a un exercice fiscal là, bah, ça ne va pas suspendre répéter pour nous. Donc 6 mois, c'est un semestre. Semestre là, vous voulez dire qui ça? C'est un coup de match football, c'est la mi-temps. Quand on va passer dans le deuxième mi-temps, deuxième semestre là, premier semestre a fini catastrophique. Le plus mal que je ne définis, deuxième bloc là, nous rappelons le 11 ou bien 12 septembre 2022. Ça a défini match là mal et qui était pour une contraction du PIB. Donc je dis à la, au long situation, côté que au fini semestre là, le mois de mars là, d'ailleurs, IHS il se bail inflation qui t'a baissé depuis quelques mois et on te prévoit qu'il te va passer en bas 20% d'ici septembre 2024. Même toujours dit, bah, ça c'est des prévisions que vous voyez. Nous rappelons de l'école, si toute chose étant égale par ailleurs, mais toute chose pas toujours égale par ailleurs. Donc lorsque toute chose pas égale par ailleurs, c'est le cas. Parce que pas de prévoir un gros livre, modèle macroéconomique, ministère des Finances, là, ça qui passe dans le mois de mars là, pas de gain ça dans le livre là. Et le fait de ne pas gagner dans le livre là, ça crive nous qu'on y a là. Donc budget que vous mettez en place là, là pour 23-24 là, fini. Pas grand qu'à faire budget ça encore. À vous faire totalement. À vous faire totalement. Parce que nous connaissons que je vous dis, hein, l'enceinte névralgique là, que pays, hein, côté que rentre plus l'argent, sous chaque 100 gouttes qui rentre dans la recette fiscale, eh bien, il faut nous connaître que 90 entrées dans le département ou bien zone métropolitaine de Port-au-Prince là. Tout reste là, pas pour te 10%. Donc nous comprenons que choc ça, mais ça le prend le bas. Donc je dis, moi de basse là, je me dis, je m'apprête un chiffre qui a sorti dans la finance, dans le tableau des opérations financières de l'État, et bien les recettes de l'État sont extrêmement faibles. Prévision que vous avez fait, 320 milliards là, 192 milliards là, sous-divisé par 12, après combien de cob pour entrer par mois en dans le budget, et bien moi de basse là, l'État va entrer cob. Mais l'État va faire quelques dépenses quand même. Il y a des dépenses que au pas un choix payer pour l'État quelques biens services. Donc lorsqu'on retrouve la situation côté pral gain dépenses pendant pas gain recette, l'État gon créancier, il gain nyon moun qui prête l'argent, donc il pral la banque centrale là pour capable soutenir moi le pas montrer comme là. Et me pas supposer mois d'avril là comment c'est plus bien passé ça non, me pas en Port-au-Prince mais activité de ralentissement que fait yo. Et ensuite tout choc qui se prend là en dans l'économie, entreprise privée qui a fermé, qui a des problèmes déjà, qui a des côtés écrasé business moun yo, rapiété que le parc industriel, que le des entreprises privées qui pas gagne rien pour yo, et bien qu'on y a taxe à pas rentrer. Je dis à si bon moun ka rentrer taxe en pays, si bon moun ka fait payage dans pays, il va l'État souverain non, gen moun ka faire mais c'est pas l'État souverain, il pas rentrer dans caisse l'État. Ça va nous permettre qu'on prenne le déficit budgétaire élargi. Banque centrale, là, s'il a prêté le ministère des Finances l'argent pour le capable de permettre de faire face à dépenses que le courant ou investissement de l'État pour les prochains mois. Donc, on prend le joint qu'on y a là. Pas penser que ça me prend le dino là. Ah, monsieur, comment on fait prévoir ça? Est-ce que son gros livre? Il n'est pas difficile. Je vous dis, c'est simple. On met en temps, nous prenons une pression sur le marché local d'échange là. Nous prenons une situation extrêmement difficile. Depuis que le dollar a commencé à monter, l'inflation a retourné à la hausse. Je crois que pour le mois de février, elle a 23%. Le mois de février, le mois de mars, lui-même, qui était catastrophique. Nous prenons dire, ah, comment je fais comme ça? Eh bien, je connais le PIB passé. Je me garantis, il a plus que 30%. Le choc que nous prenons là, je vous dis, il prend plus que 30%. Nous avons retourné à des taux d'inflation extrêmement élevés. Et Mounio nous connaît qui difficulté que vous gagnez, Moun qui perd du job, yo, donc prix a monté. Donc c'est ça, les stagflation, il dit l'économie a stagné, la contracté, pendant que vous avez inflation en même temps, c'est plus mauvais bagage qui est capable de briver, lorsque vous avez une économie qui a fermé, après inflation encore. Donc, nous déjà une garantie, là on n'a pas besoin vraiment d'aller dans le gros livre pour connaître que l'exercice fiscal, ça, nous perdons, pas de croissance économique là-dedans.
nous mettons de n'importe quel côté. Même si on fait histoire, pas qu'il y a une croissance économique. Il va y avoir 6 ans consécutifs de contraction du produit intérieur brut. Et là, on s'entend de ça, on va retourner en hausse là. Parce que nous ne savons pas jusqu'à présent, il y a une grosse incertitude, même par le comportement des acteurs politiques. Même par le comportement. Comme on te dit, car comme avec les États-Unis, tu es bonne 72 heures. Sous combien un yéla qu'on y a là? Et on a suspensé fait qu'on y a là, mais aussi tu nous décret, non moun qui propose au paladin. Et nous, le gouvernement prête un paquet de paroles, donc c'est dit que les moun qui là, qui peut être abdominal, parce que vous que les messieurs web job ça fin nan men yo là, bah la glisse là men yo. Donc cette incertitude fait que le mois d'avril là, une forte probabilité qu'on perd du mois d'avril là. Donc, on va rentrer dans mai. Qui est pour votre presse à pouvoir? Qui est aéroport à pouvoir? Donc, bien. Importer, comment on entraîne l'économie? Chaîne d'approvisionnement, l'écrasé, au niveau local, Matissan, Canard, Croix des Bouquets, Mon et Cabrit, pour que se ferme tout côté. Donc, son cœur, pas de 100 cabres là-dedans. Et il connaît sa Port-au-Prince et tout. Puisque, pour eux, c'est Port-au-Prince, donc on paquet pour qu'aligner dans le de Port-au-Prince. Comme on a dit, suivez mon regard, il y a un lien entre insécurité avec ligne de Port-ça et tout. Donc c'est peut-être l'occasion pour nous commencer à repenser le pays, ça a eu une décentralisation réelle pour nous faire. Regardez ce qui a passé là, côté quand on a qui n'est pas bon, il n'est pas bon pour l'autre. Je dis, on va faire un circuit que nous n'avons même imaginé. Cap, caille, passer sous tête Port-au-Prince. Donc c'est ça qui pour comprendre que la nécessité pour nous renforcer les infrastructures en dehors de la zone métropolitaine, pour nous suspendre, aligner tout port qui gagne dans le Port-au-Prince, si vous avez un port Saint-Louis qui est déjà ici pour relancer, pour faire fonctionner, le port du Cap-Haïtien pour le recevoir produit, et il n'est pas obligé d'être un Cap-Haïtien, il y a un autre espace dans le Grand Noir, Fort Liberté sur notre merveilleux, garder Mall Saint-Nicolas, garder des aéroports et connecter le pays de manière différente. Si nous ne prenons pas le choc, ça va nous prendre, c'est extrêmement difficile à comprendre. Donc voilà la situation que nous prenons. Garder graphique là et pour nous comprendre de grands défis qui apprêtent nous. Donc nous allons regarder recettes courantes de l'État qui était bon de octobre janvier 2023 gain des biens capable faire travail pour que les rapporter l'argent pour diversifier pour ce pas seulement recettes courantes ou investissement capable permettre de faire ça également. N'a pas avancé. Alors ça les 4 premiers mois yo, ça c'est recettes internes DGI particulièrement. Donc nous parlons de toute bagarre à la hausse pendant 4 premiers mois. Mais depuis février et mars, ou 7 ça, lorsque il y aura le bon chiffre ça très prochainement, nous parlons de comment le premier semestre a été passé. Donc 2 derniers mois étaient catastrophiques pour l'économie haïtienne. Recette interne, nous parlons de DGI en particulier. On n'a pas avancé. Les recettes douanières étaient en hausse tout. Donc nous connaissons que la douane a. Et depuis quelques temps, parlé de ça, mais chiffre qui débat est problème. Yo. Alors, ça, pendant qu'on a parlé de chiffres, cette douanière, yo, même monsieur qui a besoin de les moun la justice, là, li, a travaille, je dis à la long média, qui publie information tout, sur cette douanière, yo, mais il n'y a pas jamais fait un commentaire pour dire non, chiffre ça n'est pas bon, chiffre ça c'est ci, chiffre ça c'est cela. Il dit son expert en douanier, bon. Mais pour l'opportunité qu'il a gagné pour le faire, qu'il n'a pas fait, yo, mais il a besoin qu'on y a aller à parler. De mener mon la justice. N'a prétendu nous faire pour la justice. N'a pas avancé. Les composants de la recette interne, regardez comment qui s'allient. Gain impôt sur le revenu, qui n'est pas trop élevé, bah ouais. Gardez droit d'assise. Et là, données ça est très important. Analysez pour nous déjà, mais à chaque fois, nous regardons bonne note. Regardez TCA, taxe sur le chiffre d'affaires. Impôt sur le revenu, c'est comme que l'État prend sur des individus qui ont revenu et sur des entreprises. Et garder taxe sur chiffre d'affaires là. Donc, qui veut dire que impôt direct avec impôt indirect là, ça relève l'impôt direct là, c'est impôt sur revenu. Hein? Impôt indirect là, quel que soit mon nom, côté gain gros salaire, côté gain faible salaire, ou côté gain pas gain salaire du tout, de pour qu'on comme voilà acheter un produit là-dedans, eh bien TCA. Donc l'impôt indirect là aussi élevé par rapport à impôt direct là, il est capable de permettre d'analyser des certains problèmes sociaux dans le pays. Là. Vous pouvez regarder haute taxe, 17 milliards 241 millions de gouttes qui t'a augmenté tout. Et regardez, ça me tape d'indaleur, regardez recettes internes de provinces. Tout
ça nous est devant, toute banque qui est devant, impôt sur revenu, droit d'assise, TCA, autre taxe, c'est tout nous mettons en parenthèse Port-au-Prince. Donc nous qu'à comprendre à graphique ça, qui choque l'économie a subi là. Je vous dis à impôt sur revenu, comment pas rentrer dans Port-au-Prince là. Droit d'assise là, pays qui pas fonctionnel là, TCA, paquet d'entreprises qui crase, pas générer comme pour l'État, toute l'autre taxe. Et qu'on y a gardé recette interne de province. À savoir, les 9 autres départements, année ça a généré 4 milliards de goudes pendant les 4 premiers mois. 4 milliards de goudes. À savoir, les 9 départements, c'est chiffres officiels que vous publiez. Et pour nous comprendre, comment nous allons reconstruire le pays, ce n'est pas juste dire qu'on a une bataille contre la sécurité, mais il faut une réflexion profonde qui fait sur la fiscalité du pays. Graphique ça explique clairement mais comment on a vivre dans le pays et qui a expliqué tout les n'a dit ça il va dire mon pauvre pas payer taxes il va bailler comme il va contribuer mais est-ce que parce que c'est deux parties gain est-ce que on fait des activités est-ce qu'on fait des investissements pour que zone pauvre reste neuf départements yo yo ca générer fonds pour augmenter recettes yo matin nous était dans activité dans radio Makaya et la salle conférence de condition qu'a fait dans ça donc nous parlons ouais que lorsque nous kembe province dans l'état ça parce qu'on pas faire assez dépenses là-dedans il pas gagne recette là générer tout même pour le voir dans Port-au-Prince nous capable ouais comment situation est prochain slide voilà les dépenses totales de l'état nous rappelons combien comme l'état est entré qu'on y a mais comment comme sorti donc comment entrer et sortir sorti on va faire l'autre bagarre avec donc nous l'état sorti 48 milliards 406 millions goudes donc octobre janvier 2024 l'état c'est augmenter dépenses totales liées parce qu'elle est entrée plus comme. Quand il y a dépenses totales là, il y a deux composantes là-dedans. Donc on va regarder dépenses courantes, descend niveau non. Dépenses courantes, c'est qu'on est très bien qui ça y est, mais composantes des dépenses totales, on va regarder des dépenses courantes et des dépenses d'investissement. Regardez bien pour nous. En octobre et janvier 2024, malgré l'État a entré plus comme, mais l'État a dépensé plus en dépenses courantes. Et il a dépensé moins en dépenses d'investissement. Pendant 4 mois, nous n'avons pas dépensé 1 milliard de gouttes d'investissement. Et bien, ça intéresse nous, côté Milan Sud là. Parce que le projet d'investissement public qui a été mis depuis après le tremblement de terre là, il a relancé lui dans le budget ça. Et ça fait nous-mêmes ici, là, faut garder ça. Nous avons dit qu'on a plein pour faire un tobek qui n'est pas bon. En dedans, le budget, un tobek là-dedans, ils vont continuer à garder, faire suivi. Parce que suivi est extrêmement important. Donc, regardez le comportement de l'État haïtien pendant les 4 premiers mois de l'exercice fiscal en termes de dépenses. Montrez en termes de recettes, regardez les dépenses qu'on y a. Nous dépensons 47 milliards 217 millions. Nous pas dépensé 1 milliard, nous dépensons 885 millions de dépenses d'investissement. Investissement, vous voulez dire l'école, et centre de santé, dispensaire, route. Pas oublier que dans le budget, à moins d'une travaux publics, c'est plus comme là-dedans. Et l'investissement public, il y a une route Saint-Raphaël, Cap-Haïtien qui est là. Donc nous voyons que l'argent n'a pas qu'on dépense en quelque sorte. On continue de descendre pour nous garder des dépenses totales, dépenses courantes, garder traitement et salaire. Donc pendant 4 premiers mois, eh bien, traitement et salaire augmenté pour atteindre le niveau de 30 milliards de gouttes. 4 premiers mois. Donc si vous faites 30 divisé par 4, 7 fois 4, 28, donc vous voyez qu'en moyenne, plus de 7 milliards de gouttes que l'État dépensait par mois. 7 milliards goudes que l'État dépensait par mois pour le payer envoyer l'État. Et comme il ne pas entrer COB pendant l'exercice fiscal, pardon, mois de mars là, donc 7 milliards goudes, il faut l'État joindre pour le payer envoyer l'État. Donc ça, je suis de ça, il n'y a pas de problème avec. On garde des hauts achats, bien servicieux, pour l'administration publique qui a fonctionné, 10 milliards de goudes pendant les 4 premiers mois de l'exercice fiscal. Versement d'intérêt. Pas bien, l'eau prêté, faut remettre. Et bien, ça, on peut le voir là, on peut le voir exactement les 3 milliards de gouttes de versement d'intérêt pour le service de la dette, pour l'État capable de servir dette liée. Donc, voilà, versement d'intérêt pour le faire. Et ensuite, on peut regarder subventions et autres transferts courants, ils ont 3,6 milliards de gouttes. Donc, mais comme dépense courante, principal poste qui est dans dépense courante de l'État, salaire, bien service, payer et dette là, service dette là, subvention. Mais comment ça a été pendant 4 premiers mois? Donc, on va comprendre que le mois de mars, là, qui est moi qui est bien intéressé, côté avion crash, là, parce que c'est ça qui passe le pays là, donc l'argent, ça ne va pas là. On regarde ce qu'on y a là, et le prochain stade là, on va regarder les dépenses d'investissement. Donc, on va voir exactement les dépenses d'investissement et 89 milliards de gouttes pour projets d'investissement et machinerie et équipement.
et 304 millions de gouttes. Parce que pour faire investissement, il faut des machines avec équipement pour capable réaliser investissement. Donc nous voyons que 885 au total, mais 304 pour machinerie et équipement et ratio pour faire investissement public là. Nous mettons descendre toujours. Financement total là. Donc comment était financé, pas oublier, je me dis non. Recette contre ou gagne, eh bien, ou bral fait des postes avec là. Donc financement total là. Ensuite, composant de financement total là, il y a financement externe avec financement interne. Donc rouge là, c'est financement interne là. Donc surplus que l'État fait, que le pas fait dépenses d'investissement pour le financer investissement. Yo. Donc c'est un quoi objet ou entreprise privée, côté que ou besoin d'équipement, faut acheter, est-ce que c'est prêt ou prêté, est-ce que c'est capitaux pour mobiliser à partir d'un marché financier. Donc nous voyons que l'État sont gros entreprises que lié. Et l'entreprise là marche mal, il pas qu'à rentrer cob, il pas gain, c'est comme son chiffre d'affaires, il pas gain recette, et bien l'État va l'objet prêté. Et l'elle prêté à faut le remettre. Et là remettre là ses services dette là. Donc, si vous ne pas gérer finances publiques ou bien, si vous ne pas gérer dette là bien, si vous prendre dette après, ne pas faire investissement, vous ne pouvez pas et bien, vous pouvez poser problème pour vous-même. Donc, voilà et la raison pour laquelle nous voulons tirer sonnette d'alarme pendant que le Port-au-Prince, bataille là, son affaire de pouvoir, discussion, comment le conseil présidentiel pour allier, bagaille beaucoup plus grave que nous ne comprenons. Il faut nous concentrer pour nous garder deuxième mi-temps, deuxième semestre là, qui commençait très mal parce que nous déjà. Et 13 avril jeudi, donc lundi c'est pour le moitié mois, tant pour qu'on y a pour le finir avec le conseil présidentiel, ensuite pour faire et pour mettre le premier ministre. Donc nous comprenons que nous commençons à hypothéquer le deuxième semestre là. Et ce deuxième semestre là, nous pas arrivé, font une petite tête nous l'an de loi, au moins pour ce semestre là, avec un support international. Haïti a besoin de bon l'argent prêté là, et un bon support international, c'est pas seulement pour mettre sécurité, mais pour remplacer actifs qu'on détruit, pour nous capables de faire une relance de l'économie réelle. Nous avons proposé dans quelques instants, et nous allons parler de sommet finance qui était fait à Miami, hein, les 6 et 7 avril dernier, et des organisations qui étaient participées, satisfaction qui étaient joignes, et fait nous comprendre que ce n'est pas un simple débat pour nous parler, mais il y a des résultats qui étaient atteints dans ce sens. Nous avons proposé dans quelques instants.